Bonjour à tous et bienvenue sur Crodams Ludique. Aujourd'hui, nous allons vous faire l'explique-partie du jeu Skytear. Donc, il y a quelques jours en arrière, on vous avait présenté la vidéo d'unboxing du KS que nous venons de recevoir. Et aujourd'hui, on va vous faire une petite partie en vous expliquant les règles. Alors, on va vous expliquer vite fait la mise en place. Donc, nous, on a déjà fait un tirage au sort par le biais de ce token face pile. Donc, il y en a un qui a choisi pile ou face. C'est moi qui ai eu l'initiative. On a disposé ici trois cartes défi. Alors, je vais les lire. Donc, on va vous montrer donc, le défi. Premier défi. Alors, premier défi, massacre, tuer trois héros ennemis. Deuxième défi. Le deuxième défi, c'est flanc gauche, détruisez la tour ennemie située dans votre couloir gauche. Et le dernier. Ensuite, double tuerie, tuez deux héros ennemis lors d'une même activation de héros. Sachant que si on remplit une de ces conditions de victoire, on remporte la partie. Voilà. Si deux conditions de victoire sont gagnées par deux joueurs en même temps, c'est une égalité. Parce que le but du jeu, ça va être avec nos sbires, d'avancer la zone de contrôle, donc la zone de contrôle c'est le token qu'il y a ici, de l'avancer vers la tour adverse, de détruire la tour pour pouvoir accéder au nexus et détruire le nexus. Quand on a détruit le nexus adverse, on a gagné la partie. Mais si on réalise un défi, c'est un autre moyen de gagner la partie. Voilà, donc il n'y a pas forcément à se focaliser obligatoirement sur les tours et le nexus, on peut trouver un système un petit peu parallèle pour gagner la partie. Donc il y a quatre factions dans la boîte de base, il y a les Kurumo, les Tolo, les Nupten et les Lyotan. Donc le premier joueur choisissait une des factions, donc moi j'avais choisi les Lyotan. L'adversaire choisit deux factions, donc deux couleurs. Donc tu as pris les Kurumo et les Nupten. Voilà. Et ensuite j'ai choisi les Tolo, donc les verts. Ok. Ensuite, on a pioché les cartes de... pouvoir. Alors, il faut se créer un deck. C'est 8 cartes par héros. Donc, de la couleur ou du pouvoir qu'il va générer. Je vous montre sur cette carte. Par exemple, celle-là, on peut choisir des pouvoirs bleus, mais on peut aussi utiliser des pouvoirs verts avec lui. Donc 8 par héros, voilà. Qu'on mélange ensuite et qui va créer un deck dont on va après on mélange tout, se servir en cours de partie. Il y a juste un truc, c'est que chaque héros a un sort ultime. Donc on met chacun leur sort ultime dans les 8 cartes de chacun. Et après on en rajoute 7. Et après on se fait donc le deck qu'on va mélanger. Au départ, le premier joueur va piocher 6 cartes, le deuxième joueur va en piocher 5. Après, on vous montrera en cours de partie comment ça s'utilise. Alors, on peut se défausser des cartes au début s'il y en a qui nous plaisent. Oui, c'est ce que j'ai fait, par exemple. Il y en a deux qui me plaisaient pas, donc je les ai défaussés. Donc, on les met dans sa pile de défausse. On peut tout défausser et repiocher. Et on repioche, mais par contre, c'est rare dans la pile de défausse. Tout à fait. Donc une fois que ça c'est fait, on a placé donc les tours. Donc les tours c'est 5 points de vie par tour, donc un gros token ça en représente 2. Et le petit token ça représente 1 point de vie, donc ça fait 5 pour chaque... Ici vous avez le dôme. Oui, le dôme au milieu, voilà. Là où va venir se mettre l'outsider à la fin du tour s'il y a des conditions qui sont remplies. Et ensuite on a fait... le déploiement des sbires. Des sbires, donc... un sbire de chaque faction sur, là on est deux, donc sur le jeton de contrôle et un sur le côté, donc on le voit ici et on le voit là. De toute façon, il y a un schéma sur le livre des règles de disposition. Tout à fait. Alors là, pour info, on a suivi dans le livre des règles, il conseille pour une première partie certaines figurines et certaines cartes, donc nous on a suivi ce schéma. Parce que visiblement, c'est ce qui permet de mieux appréhender les règles. Ils indiquent lesquelles, parce que les cartes... C'est assez dur de choisir des cartes de pouvoir, c'est pas évident, on sait pas trop... Des cartes de pouvoir qui sont appropriées, qui fonctionneraient bien avec certains héros. Surtout quand on n'a jamais joué, donc qu'on ne connaît pas forcément l'utilité des cartes. Donc nous c'est ce qu'on a fait, on va voir si ça fonctionne. Donc on a suivi les consignes. Voilà. Et le premier joueur a le bénéfice d'une carte...
le flux de Skytir. Donc c'est une carte de pouvoir qui peut utiliser n'importe quand et une seule fois dans la partie. Voilà. Et en fait, du coup, tout simplement, ben, on le met du côté du joueur. Si ça avait été moi le premier joueur, la carte elle serait là et l'outsider on l'aurait mis de l'autre côté. Exactement. Voilà. Et donc on va pouvoir commencer, c'est bon, on en parlait juste. Juste pour le déploiement des héros, le premier joueur déploie un de ses héros, ensuite c'est le joueur adverse, voilà. Et par ainsi alternance. De suite jusqu'à ce que tous les héros soient déployés. Il y a 4 cases autour. Faut les mettre là, ouais, voilà. Attends, peut-être qu'on va peut-être monter. Voilà, ici il y a 4 cases autour du voilà. Nexus et on les déploie ici. Voilà, tout simplement. Et là on va pouvoir, commencer. Par alternance, je vais activer une figurine et Caroline aussi, et ainsi voilà. De suite. Alors, peut-être juste pareil vite fait, avant de commencer, il y aura la phase des héros, puis la phase des sbires, et voilà. Et après, On va expliquer voilà, on va jouer de suite, comme ça. Donc là, on commence par la phase des héros, donc ce sont les héros qui vont s'activer. Donc c'est moi qui vais activer, donc je vais activer mon ami Cordioff. Voilà. Montre-le peut-être par la caméra quel personnage. Alors, je vais d'abord vous expliquer. Donc, comme on avait expliqué dans l'unboxing, ici c'est son sort d'origine passif. Et quand ils font une dévotion, ils vont pouvoir accéder au deuxième sort qui est ici. Donc, les dévotions dépendent des factions. Ici, c'est un métamorphe. Donc, il faut qu'il fasse une dévotion pour se transformer, puisque c'est des hommes animaux. Et une fois qu'il est transformé, il pourra utiliser ce sort-là. Donc là, tant qu'il n'est pas transformé, il ne l'utilisera pas. Donc la figurine est ici. Je vais l'activer. Donc les actions qu'on peut faire, je vais vous montrer de suite, comme ça sera fait. On va essayer de faire attention. On peut faire un déplacement. Donc déplacer jusqu'à 3 cases les héros. Et les outsiders bloquent le déplacement, mais pas les sbires. Donc on peut se déplacer sur les sbires, mais on peut pas s'arrêter sur leur case. On peut faire une escarmouche, donc dans l'ordre qu'on veut, c'est on se déplace d'une case, on peut infliger des dégâts, donc on vous expliquera comment ça fonctionne, que sur un héros et pas sur les sbires. Et on peut encore se déplacer d'une case. Il y a l'attaque, donc là on fera l'attaque, le commandement, on vous expliquera, et la dévotion. Sachant qu'on a 3 points d'action à dépenser dans le tour du héros et on ne peut pas faire deux fois la même action. Exactement. Et alors moi je vais commencer. Donc par exemple, avec mon ami Cordioff, je vais faire un déplacement. Oui. Donc je vais faire 1, 2. Je vais le laisser là. Je vais faire juste 2. Je vais faire une attaque. Donc moi, il attaque à distance. Vous voyez, il y a un petit symbole d'arc. Donc il peut attaquer jusqu'à un maximum de 3 cases. C'est pareil dans le jeu, il y a des lignes de vue. Les lignes de vue, c'est 3 cases. Et pour faire une attaque, il faut pouvoir cibler un ennemi. Et pour cibler un ennemi, il faut qu'il soit dans la ligne de vue. Donc à 3 cases maximum. Même si on fait l'attaque à distance, on ne peut pas cibler un ennemi qui est à l'autre bout du champ de bataille. Exactement. Donc j'ai fait ma première action qui était un mouvement, ma deuxième action qui va être une attaque pour attaquer un sbire. Donc vas-y, fais ton attaque. Donc l'attaque ça va se passer comme ça, j'ai 3 en dégâts, plus je pioche une carte sur ma pile de deck, et j'y additionne le plus 1 qui est là-haut. Donc je suis à 4 dégâts. Les sbires ils ont 0 en armure et ils ont un seul point de vie, donc je le tue automatiquement. Il est défaussé. Donc je mets la carte que j'ai piochée dans ma pile de défausse. Donc ça c'est pour ma deuxième action. Et pour ma dernière action, je vais faire une dévotion. Donc je vais mettre un petit token sur la carte de mon personnage pour me souvenir qu'il s'est métamorphosé. Et ensuite, un peu comme le système de Magic, on va épuiser la carte pour dire qu'elle a été activée parce que j'ai fait mes 3 actions. Okay, donc... Là maintenant c'est ta carte. Moi je vais activer Yami, donc je vous la montre. Donc Yami, contrairement à Cordioff, c'est ça? Oui. C'est du corps à corps, donc on voit le petit épée, ça veut dire qu'il faudra qu'elle soit adjacent à un ennemi ou à un héros, un sbire ou un héros pour pouvoir faire une attaque. Voilà. Et elle aussi, c'est pareil, voilà, on voit le petit symbole ici, c'est la dévotion. Donc elle, quand elle fait une dévotion, elle fait pas une métamorphose comme lui, elle fait directement le... Comment dire? Ben, son truc là qui est associé à sa dévotion. C'est instantané. Voilà, donc elle va d'abord
faire une escarmouche. Donc une escarmouche, ben là je vais me déplacer de 2, je vais faire 1, 2. Voilà, et il y a une attaque, mais elle, elle attaque à distance, non, elle attaque au corps à corps. Alors, Et savoir que quand on fait une escarmouche, oui, on ne peut que faire une attaque sur un héros, on ne peut pas attaquer adjacent, donc voilà, pour l'instant, je ne fais pas d'attaque, enfin, dans mon escarmouche, je n'utilise pas la troisième action qui est une attaque. Par contre, du coup, je vais faire un déplacement. Donc là, j'ai fait une escarmouche, maintenant j'ai fait un déplacement, donc je me déplace de 3. Et elle, elle a ce qu'on appelle toucher mortel. Donc à chaque activation, la première fois... Je vais vous montrer un peu mieux que ça. Voilà. À chaque activation, la première fois que Yami passe sur une case contenant un sbire ennemi, elle lui inflige 1 plus une carte dégâts. Donc 1 dégât plus je pioche une carte. Donc du coup, ça peut faire 0 ou même moins 1. Parce qu'il y a des cartes qui ont des malus. Des malus, hein. Donc voilà. C'est un petit peu. Il y a des plus 1, des plus 2. C'est un peu aléatoire. Mmh. Voilà. Donc du coup, elle va faire son déplacement. Je vais faire 1, 2, 3. Et je vais faire une attaque, tant pis. Ok. Donc une attaque. Elle attaque à. Je vous montre. Elle attaque à 2. Donc montre le petit symbole épée déjà qui montre que c'est une attaque au corps. Je vais montrer, ouais. Une attaque au corps à corps. 2 plus une carte. Donc je vais. Piocher une carte, donc 2 plus 1, ça fait 3 sur un sbire. Sur lequel? Sur lui. Allez, pouf, le sbire. Voilà. Et t'as fait tes 3 actions, donc t'as fini son activation. Et du coup, je tourne sa carte. Oui. Alors juste un petit truc qu'on n'a pas précisé, vous voyez, on a une ligne ici, c'est vrai qu'on en avait parlé dans l'unboxing, on va pas reparler ici, où on met les tokens qui représentent nos héros, et on les met en fonction de leur nombre de points de vie. Et on va pouvoir compter leurs points de vie. Ici, elle a 18, on le voit ici. Hop. Et du coup, je l'ai mis là, sur le 18 du plateau. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir suivre les points de vie. Et dès qu'elle perd des points de vie, voilà, ou qu'elle en gagne si elle se soigne, etc. pour tous les personnages. Allez, vas-y. C'est à moi. À toi. Alors, je vais activer Tlakali. Ils ont un peu des noms suédois, j'ai envie de dire. Non, il y en a, ils sont un peu compliqués. Aztèque ou Maya, non? Ouais, c'est ça. Donc, je vais activer elle. Donc, elle a la rituelle de protection, mais... c'est que si elle a fait une dévotion. Eux, ils posent des piliers. Donc, eux, je peux utiliser leur technique principale. Que s'ils ont fait une dévotion pour poser un pilier. Donc, de toute façon, chaque carte qui décrit, donc il y en a pour chaque couleur de chaque faction, oui, ça résume qui vont vous résumer leur dévotion, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes dévotions, comment elles s'utilisent. Donc, Tlakali, je vais la déplacer 2-3 cases. 1, 2, 3. Je vais faire une dévotion. Donc je vais poser un pilier. Donc le pilier, je peux le poser jusqu'à un maximum de 3 cases. Donc je vais le mettre par exemple par ici. Par ici. Et ensuite, et je vais faire une attaque. Alors sur qui? Sur un de tes sbires. Ok. Donc elle en attaque, pareil, elle a attaque à distance. Donc elle a 2 plus une carte. Donc 2 plus 2, ça fait 4. Sur qui? Sur celui-là, là, ouais, par exemple. Donc j'ai fait mon action de mouvement, j'ai fait ma dévotion et une attaque. Donc j'ai fini son activation. Ok, et ben moi je vais activer Aburat. On va vous montrer les premières chaque activation, puis après on... Ouais, les héros. Ouais. Voilà. Donc lui, ben, c'est un corps à corps, voilà, plutôt puissant parce qu'il a 4 hein, dégâts, plus 2 cartes. Voilà. Donc lui, il crée des illusions pour sa dévotion. Mais j'ai pas précisé, eux, ils marquent leur adversaire avec un marqueur comme ça. Voilà. Et une fois que les adversaires sont marqués, bah ça leur donne des bonus. Voilà. Ça, c'est les Kurumo, c'est ça? Kurumo, ouais. Voilà.
Et eux, les Nuptan, ils créent des illusions. Donc ils projettent en fait un hologramme d'eux-mêmes, je ne sais pas comment dire mieux. Et pareil, ça donne voilà, des bonus. Donc du coup, ben, lui, on va l'activer. Alors, il va faire d'abord une escarmouche. Il va donc se déplacer de 2. Voilà. Ensuite, il va faire un déplacement. 1, 2, 3. Et puis je vais faire une attaque. Donc pour l'instant, je ne fais pas de dévotion. Alors juste une petite précision, il y a des cases avec des arbres là. On peut s'y cacher. Donc on n'a pas de ligne de vue sur la figurine qui est dedans, sauf si on est adjacent. Oui, par exemple là, toi c'est ton cas. Voilà, j'étais caché. J'aurais pas pu faire à distance, par contre comme on est adjacent, ben, je le vois. Maintenant tu me vois. Il n'y a que la ligne blanche continue là, qui fait que même quand on est adjacent, on n'a pas de ligne blanche. Dans la ligne, dans le dôme. Dans le dôme, on n'a pas ligne de ligne de vue sur l'extérieur et inversement. Exactement. Alors, du coup je te fais une attaque. Donc, oui, sur qui? Sur mon héros. Sur ton héros, voilà. Donc moi j'ai 4. Je le remonte. Hein. 4 plus 2 cartes. Donc, je vais piocher les 2 cartes. Donc là, on les additionne pas. Bah, super, 0 et 0. Comme ça, le choix, il va être vite fait. Donc, on additionne pas. Ouais, on choisit la meilleure qu'on carte. Veut. Donc, bah, entre 0 et 0, bah, je vais choisir 0. Et donc, tu me du mets... Du coup, je te mets 4 dégâts. 4 dégâts. Donc, on voit sur ma carte, la carte de mon héros, qu'elle a 1 en armure. Donc, je vais prendre 3 dégâts. Je prends mon personnage. 1, 2, 3. Et moi, j'ai fait mes 3 actions, parce que j'ai fait mon escarmouche, mon déplacement et mon attaque. Et donc, je suis épuisé. Ok. Je vais me déplacer. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Je vais utiliser une carte pouvoir. Parce que je vais faire une escarmouche. Donc cette carte pour... Non, tu peux pas faire utiliser, je le répète, les escarmouches sont c'est une règle spéciale, l'escarmouche. On n'a pas le droit d'utiliser. Regarde dans les... Ou alors il faut l'utiliser avant. Normalement, utilise. Alors je l'utilise avant, du coup, parce qu'elle elle fonctionne pour l'escarmouche. Ah. Ah, pendant l'escarmouche, on peut pas l'utiliser. Il me semble. Donne-moi le livre, je vais chercher vite fait pendant que tu lis la carte. J'avais cru lire quelque chose dans ce goût-là. Vous résolvez cette action comme un effet unique. Aucune carte ne peut être jouée durant cette action. Là, il parle de l'action d'escarmouche. Donc, je montre les règles. Hop, toc. Ici. Ouais, bon, c'est bon, tu vois. Mais bah, du coup, je l'utilise. Donc, alors, je pense qu'il avant doit de l'utiliser faire... avant, ouais. Avant de faire mon escarmouche. Donc, du coup, je vais l'utiliser donc, avant de déclarer. Alors, oui, sachant que si c'est une carte action, tu peux l'utiliser n'importe quand pendant ton tour. Montre la différence peut-être entre les cartes action et les cartes réaction. Le symbole. Alors, ici, avec ce symbole-là, vous avez des cartes action. Donc, qui ne peuvent être jouées exclusivement pendant le tour du héros actif. Voilà. Et des cartes réaction avec ce symbole-là qui peuvent être jouées à n'importe quel moment. Parce qu'on peut les jouer aussi bien à son tour qu'au du moment que c'est une réaction adversaire. Alors, du moment qu'on peut payer aussi le coût en mana. Donc là, par exemple, j'ai un coût de 2 en mana. Donc lui, il utilise bien le mana vert. Donc là, il faut payer en mana vert. Le mana, on le génère par rapport au tour. Donc on est au tour 1. Tous nos héros génèrent 1 point de mana. Mais moi, j'ai, comme je suis premier joueur, le flux de Sky Tear. Donc la prochaine carte pouvoir non ultime que vous jouez coûte 1 mana de moins. Donc je vais utiliser ça. Donc on peut l'utiliser qu'une fois par partie. Elle a pas de coût en mana pour l'utiliser. Et donc du coup je vais pouvoir jouer cette carte. Seigneur de la nuée. Le lanceur gagne plus 1 dégât d'escarmouche pour chaque sbire allié dans sa ligne de vue. Donc je la mets en bas de mon héros pour me souvenir qu'il a dépensé les manas. Parce que si jamais je vais faire une réaction avec lui, il ne pourra pas, parce qu'il a dépassé son mana. Ok. Donc j'ai fait mon déplacement, j'ai fait ma carte pouvoir. Je vais faire une escarmouche. Ok. Donc je gagne plus un dégât d'escarmouche pour chaque sbire allié dans sa ligne de vue. Donc j'en ai un qui a 3 cases dans ma ligne de vue.
Donc les escarmouches, ça se passe comme ça. Donc on peut attaquer qu'un héros, donc t'avais compris que j'attaquais celui-là, oui. Hein, qui est adjacent, puisque de toute façon, moi, c'est un corps à corps. Donc les escarmouches, comme on avait dit, on peut se déplacer d'une case deux fois et infliger 0 et une carte dégâts à un héros ennemi, qui ne soit pas un sbire. Donc j'ai 0 dégâts, mais j'ai 1 grâce à mon sbire, plus une carte. Donc plus 1, donc je mets 2 dégâts. Donc, deux donc une carte que je pioche hein, sur ma pile de deck. On les prend pas dans les cartes qu'on a en main. Ah, okay. Donc t'avais pas d'armure, je t'ai mis directement. Non, non, j'ai pas d'armure. Ok, donc ça c'était pour ma deuxième action. Et en troisième action, je vais te faire une attaque. Donc lui en attaque, il a 3 plus une carte. Donc plus 1. Je mets 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Et il a fini son activation. Donc je vais l'épuiser. Ok, donc c'est à moi. Donc, moi, je vais activer Akuti. Donc, c'est à... donc elle, c'est de la distance, voilà. Et va être sur le même principe que Aburat. Ça va être des illusions projetées qui vont avoir des petits bonus, etc. Donc, je vais activer de ce pas. Voilà. Donc, elle, elle va faire... un déplacement, 1, 2, 3. Ensuite, elle va faire une illusion, enfin une dévotion. Donc, quand je fais une dévotion, hop, je vous montre. Voilà, on a des petits jetons là qui sont représentés avec la tête des. Donc, si vous prenez tous les autres héros, hein, chaque héros jaune a ses propres jetons. Voilà, voilà c'est un token d'illusion par héros. Ah, bah oui, on peut pas représenter. Voilà. Donc, hop. Pareil, donc c'est sur la ligne de vue, donc c'est à 3 cases. Hein. Donc je vais faire ici, voilà. Donc ça, j'ai fait... Sachant que les sbires ne bloquent pas la ligne de vue. Non, non. J'ai fait mon déplacement et ma dévotion. Et maintenant, je vais faire une attaque. Donc je vous remontre sa carte. Donc lorsque Akuti résout une action d'attaque, donc ça, c'est sa compétence passive. Voilà. J'inflige... un dégât plus une carte à un sbire ennemi qui est adjacent à son illusion. Voilà. Et en plus, quand je fais une dévotion, donc quand je suis un héros projeté, c'est le cas puisqu'il y a mon illusion sur la table, j'ai gagné plus une armure. Voilà. Donc du coup, je vais faire une attaque sur ce sbire puisque je suis à portée 2. Donc 1, 2, c'est bon. Donc c'est deux cartes, deux points plus une carte, ça fait 4 dégâts. Sur ton sbire. Hein. Voilà. Et donc, du coup, grâce à ma technique passive, je résous une action je réjoue en plus un dégât plus une carte à un sbire ennemi qui a déjà l'illusion. Donc, ce sera lui, puisqu'il a déjà sa illusion. Donc, plus une carte, ben, ça fait 2 aussi. Donc, il est mort aussi. Voilà. Et elle a terminé, puisqu'elle a fait son déplacement, sa dévotion et son attaque. Ok. Donc, moi, il ne me reste plus que Gul'jarn. Le gros nounours. Le nounours. Donc, qui a un corps à corps. Voilà. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Je vais faire une escarmouche. Donc là, j'ai pas de ligne de vue parce que je suis dans le dôme. Donc, je peux pas l'attaquer. Par contre, je vais faire mon escarmouche. Donc, je vais faire 1. Je vais effectuer mon attaque. Donc, l'attaque de l'escarmouche, vous vous souvenez, on a 0 plus les dégâts d'une carte. Par contre, moi, il a plus un dégât d'escarmouche pour chaque héros allié métamorphe dans un rayon de 3 cases. Donc, souvenez-vous que lui, il a fait sa dévotion, donc il est métamorphe. Il est à 3 cases, donc je vais gagner plus 1. Donc, j'ai 1 plus 0. Magnifique. Ça fait 1, et moi, j'ai 1 en armure puisqu'elle est projetée. Donc Elle est projetée. Quand elle a son illusion, elle gagne 1 en armure. Donc, j'ai fait 1 mon attaque et 1... Et dernière action, je vais faire un commandement. Donc un commandement, c'est quoi? On met une carte. Alors, on peut mettre une carte de sa main retournée vers la figurine cachée, ou on peut en piocher une sur sa pile au hasard. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je prends une carte au hasard. Je la mets dessus et un commandement, ça va permettre de... On va vous expliquer après, pendant la phase de sbire. Okay. D'essayer de contrôler les zones.
Et là, bah, moi, j'ai fini son activation. Donc, je vais activer lui. Alors, donc lui, c'est de la distance aussi. Donc, lui, bah, il va marquer ses adversaires et ça va lui donner quelques petits bonus. Voilà. Donc, du coup, je vais pas m'embêter, je vais faire 1, 2, 3. Et après, je vais faire 1, 2. Je vais pas m'embêter pour l'instant et je vais faire un commandement. Tout simplement. Ok. Voilà. Je change de tactique au dernier moment. Mais... Très bien. J'ai vu que tu me laissais le dôme. Ouais. Ok. Donc voilà, donc tous les héros, hop, celui-là, il a été activé. Tous les héros ont été activés. Donc maintenant, on va procéder à la phase comme des ça. Sbires. À la phase des sbires. Donc on va compter combien on a de héros et de sbires dans chaque zone de contrôle qui est une ligne de vue sur la zone de contrôle. Donc c'est-à-dire qu'ils soient au moins à 3 cases de la zone de contrôle. Donc tout ce qui est token, pilier, ça ne compte pas. Donc moi, j'ai 1, 2 héros plus un sbire, j'ai 3. Même chose pour toi. Donc on est à égalité, ça ne bouge pas, ça reste ici. Pour le dôme, donc j'ai moi plus une carte de commandement. Donc les cartes de commandement, ah bah, j'en avais pioché une qui donne 3. Donc on additionnait le mana à son commandement. Donc les héros, ils donnent 1 point. Donc là, lui, il en donnait 4 en plus de son commandement. Donc je contrôle la zone. Quand on contrôle non, la... 3 en plus du... Oui, 3, ça fait 4. Ah oui, d'accord, pardon. Si je me trompe oui, pas. Oui, non, c'est moi qui suis. Si j'ai bien suivi mes cours de CP, si vous entendez 3 un plus 1, ça fait 4. Un peu malade, donc... Ouais, c'est vrai que t'es un peu malade. Voilà. J'espère que vous l'entendez. Donc, quand on contrôle le dôme, on va pouvoir utiliser le sbire. Non, l'outsider. Pardon, l'outsider. Donc je, là, première chose, il prend le contrôle de l'outsider et il peut effectuer... Trois actions qu'il de faut sa carte. Qu'il soit sur sa carte. Voilà. Donc, faut regarder un petit peu. Donc, déjà, je le positionne où je veux. Donc, je vais le mettre ici, ça ira très bien. Première action que je vais effectuer, bah déjà, je vais faire une dévotion. Donc, je peux faire une dévotion ici. Contact divin, le héros allié ciblé effectue une action de dévotion. Donc, une dévotion sur mon héros. Donc comme ça, il est en métamorphe. Ensuite, bon, je pourrais faire des attaques et tout, mais bon, il n'y a pas d'ennemis, puisque j'en rappelle qu'il n'y a pas de ligne de vue derrière, les lignes blanches. Donc, je vais faire piocher une carte pouvoir. Donc, hop, je pioche une carte dans ma pile. Hop, je la rajoute à ma main. Et en dernière action, alors lui, il ne peut pas se déplacer. C'est écrit sur sa carte. Et en dernière action, ben, je vais pas pouvoir faire grand-chose, parce qu'après, c'est que des attaques. Et j'ai personne en ligne de vue. Donc là, c'est terminé pour l'outsider. Et ici, moi j'ai 3 points et toi tu en as... Enfin, j'ai 3 points plus ma carte de commandement. Voilà, et moi j'ai 1 point. Donc j'ai 5 points. Donc je gagne de 4. Donc ça veut dire que normalement, en priorité, je vais lui détruire ses sbires s'il en reste. Voilà. Si j'avais des sbires, la différence qu'il y a entre les deux mettait un dégât par différent... Enfin... Oui, un la dégâ... différence entre les deux, il te restait deux sbires, par exemple, bah, sur les 4 points, les deux. Je peux tuer deux. Voilà. Et après, sinon, il faut déplacer le jeton d'autant de points que la différence. Exactement. Donc, vas-y. Donc, combien... T'as 4, hein, la différence. Ouais. Donc, tu te déplaces au plus près. Donc, sachant... Attends, il y a une chose qu'il faut expliquer. C'est que t'as 4 de différence. Les 4 de différence, il va d'abord infliger des dégâts aux sbires. S'il n'y a pas de sbires... Il va infliger des dégâts à la tour sur une portée de 3 cases. Donc là, il est à 4 cases, il est trop loin. Donc il met les dégâts, et une fois qu'il a fini les dégâts, il se déplace d'autant. Donc 1, 2, 3. En allant au plus près, en touchant. Donc je te déplace pas de 4 cases, ou je te déplace de 4. Tu veux que je te mette là ? Non, n'importe. Disons que ça te fait gagner 1 pour si jamais je te repousse. Ensuite, quand c'est fini, on prend les sbires qu'on a... restant et on les met au plus près de la zone de contrôle, donc je lui mets dessus parce que c'est son sbire restant. Donc une fois qu'on a fini ça, on va pouvoir maintenant faire apparaître les sbires. Donc toujours pareil, on prend deux sbires. Donc on commence par le premier joueur, je crois. Vas-y.
ou c'est le joueur qui a gagné. Non, enfin, je pense que c'est pas. Enfin, ici, si, ça va être toi, parce que t'es le joueur qui a gagné la zone de contrôle. Donc, vas-y, commence. On peut pas mettre deux sbires de la même faction sur une... sur le même case, voilà. Donc, par contre, il faut les mettre adjacents ou plus près. Je vais faire comme ça. Voilà. On rappelle, je sais pas si on l'a dit, il y a que les sbires qui peuvent mettre des dégâts sur les tours et sur le Nexus. Donc moi, je vais mettre deux sbires, parce qu'on fait popper deux sbires à chaque fois. Donc je vais en mettre un là. Et l'autre ici. Ensuite, ici, ben pareil, la même chose. Donc j'en mets un là. Donc là, moi, je peux faire ici. Et un là. Par exemple. Ok. Ça marche. Donc tout a été très donc, bon. Une fois que donc, les cartes sont défaussées, on retourne. On remet prêt. Alors, on pioche deux cartes, hein, il me semble. Deux cartes, tout à fait. Sachant qu'on ne peut pas avoir plus de 6 cartes pouvoir en main. Donc, il faut en défausser si on en a trop. Et je remets prêt. Alors, l'ordre d'initiative reste toujours le même. Il ne change pas à chaque tour. Donc, c'est toujours moi le premier joueur. Allez, et ben c'est parti. Donc, je vais commencer. Alors, réfléchissons bien. Donc, le tour, compteur tour de mana, 2. Donc maintenant, chaque héros génère 2 mana. Je vais activer Kotlik. Ok. Oui. Donc Kotlik. C'est qui lui déjà? C'est mon espèce de guerrier là. D'accord, vas-y, vas-y. Là. C'est le cas. Ah, bah, celui qui a la... C'est assez cool. Vas-y. Donc la première chose qu'il va faire, il va... Je vérifie quand même, 1, 2, 3, ok. Il va utiliser 2 points de pouvoir pour jouer la même carte que tout à l'heure. Sauf que là, comme j'ai 3 sbires, je vais gagner. Donc je gagnais, le lanceur gagne plus 1 dégât d'escarmouche pour chaque sbire allié dans sa ligne de vue. Donc à 3 cases. Il est là, 1, 2, 3, 1, 2 et 1, 2, 3. C'est bon, les 3 sont dans ma ligne de vue. Donc j'ai plus 3. Est-ce que tu vas jouer une carte de... Non, vas-y. Et je vais donc faire une escarmouche. Vas-y. Donc j'ai 3 plus une carte. Donc rappelez-vous que normalement les escarmouches c'est rien plus une carte. Donc 3 plus 1. Je te mets 4 dégâts. Ok. Donc ça c'était pour ma première action. Deuxième action, je vais te faire une attaque. Donc j'ai 3... plus une carte. Tu te déplaces pas? Pour l'instant, non. Non, mais avec toi, escarmouche. C'est pas faux. Donc, je peux me mettre sur mes cases piliers. Et donc, je te fais une attaque. Merci hein, du coup de main. Donc, c'était... Avec plaisir. 3. Je suis comme ça. 3 plus 1. Mais c'est fair play, c'est bien. Je suis ce genre de personne. Je suis tellement impatient de te taper que... Donc, 3 plus 1, pareil, je te mets 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Ok. Et il me reste une action. Une action qui va faire. Il va faire. Un commandement. Et il est épuisé. Ok. Et c'est à toi. Alors. Moi, bah, je vais essayer de faire un peu le ménage. Donc, je vais activer Yami. Alors, Yami. Alors, elle va commencer. Donc, à chaque activation, la première fois que Yami passe sur une case contenant un sbire ennemi, elle lui affiche un dégât plus une carte. Donc, déjà, je vais faire. 1. 2. Donc lui. Ah, c'est pardon, net. Plus une carte. Donc ça peut être. Donc c'est ça peut être moins 1. Donc c'est bon. Voilà. Donc là, elle a c'est une action de mouvement. C'est son mouvement, voilà. Ensuite, elle va faire une dévotion. Donc je vais marquer avec ce marqueur lui là. Mon héros. Là. Voilà. Okay. Et du coup, je vais faire sa compétence de dévotion. Je vais le remonter plus près.
Placez Yami sur une case adjacente au héros marqué et infligez un dégât plus une carte à ce héros. Donc, je peux la placer. C'est instantané. Voilà, adjacent, tac, comme ceci. Je te fais un dégât plus une carte. Donc, un dégât plus 3, yes, 4 dégâts. Donc, 4 dégâts. Alors, moi, à savoir que lui, c'est un peu un... Bon, c'est un guerrier, c'est pas vraiment un tank. Mais, donc, il est sur un pilier et il gagne plus 1 en armure s'il est... s'il y a un pilier dans sa ligne de vue. Donc, j'ai 1 en armure, plus 1, ça fait 2. Donc, tu prends 2 dégâts. Donc, je prends 2 dégâts, hop. Son token, il est là, je fais 1, 2. Et ensuite, elle est bien en rouge, voilà, je vais utiliser 2 points de mana. Donc là, 1, 2. Donc je suis bien en rouge, je peux les utiliser ici. Et donc du coup, ça fait tuer le sbire ciblé, puis infliger un dégât plus une carte à chaque héros ennemi qui lui était adjacent. Donc je me mets la carte ici pour ne pas oublier. Donc là, tu mets ce sbire là. Okay. Voilà. Et j'affiche un dégât plus une carte. Donc plus 2, ça fait 3. Donc je prends un dégât parce que j'ai 2 en armure. Je prends un dégât. Ah, mais j'ai fait un peu le ménage. Très bien, très bien. Et elle est épuisée. Ah, donc je vais être... Alors, ben moi du coup, je vais activer elle. Vas-y. Je vais essayer de finir ton héros. Vas-y, finis-le. Elle peut jouer du bleu, donc déjà je vais faire une carte de pouvoir. Pour 2 points de pouvoir, elle va jouer Orage Menaçant, donc je vous montre un. Elle a bien du bleu et du vert. Donc c'est piocher 2 cartes pouvoir. Mmh, vas-y. Donc je la mets là pour se souvenir qu'elle a consommé 2 et je pioche 2 cartes pouvoir. Et 2. Du moment que tu n'as pas plus de 6 dans la main. Non, j'en ai 2, 4, 5. Ensuite, première action, elle va faire une attaque sur ton héros. Vas-y. Donc, elle a 2 plus une carte. Donc, 2 plus 0. Donc, 1, 2. Ensuite, elle va faire une escarmouche. Donc, une escarmouche, on ne peut pas, puisque c'est des déplacements de case par case, on ne peut pas passer par-dessus les sbires. Il faudrait que je puisse me déplacer. Donc, en escarmouche, je vais faire déjà l'attaque. Je vais commencer. Donc, c'est 0 plus, j'espère que j'ai pas un 0, plus 1. Un point de vie, yeah. J'aurais bien aimé un plus 2. J'aurais bien aimé un plus 2. Et après, tu te déplaces ou... Voilà. Et ensuite, alors, j'explique juste une petite subtilité, c'est que je pourrais mettre une carte commandement, mais on peut pas mettre pour contrôler la même zone de contrôle. C'est vrai. D'accord, oui, c'est ça. On peut pas... Deux héros ne peuvent pas avoir une carte de commandement, exactement. D'accord. Donc, elle, du coup, il va lui rester une action, et je vais lui faire faire une action... de dévotion. Vas-y, dévoue-toi. Donc je vais faire ça et je vais le mettre à côté. Ok. Et elle a fini. Ah, je pensais pouvoir le tuer, tu vois. Mais c'est vrai qu'elle a pas trop de force, elle. Donc du coup, ben moi je vais l'activer avant qu'il meure, on sait jamais si tu décides avec un autre de tes personnages de venir lui sauter au cou. Ouais, donc lui il va, voilà, je vous montre, hop, donc il va faire une dévotion pour commencer. Donc je vais la mettre, une question, je vais la mettre où? Alors non, parce que du coup... De toute façon, t'as une ligne de vue de jusqu'à 3, donc tu peux la poser jusqu'à 3 cases. Ouais, mais là, je sais pas si... Bah si, on doit... si je vise une case, donc c'est pas assez si j'ai une ligne de vue. On a des lignes de vue sur les cases, c'est ça. Ouais. La petite subtilité, c'est qu'on a toujours la ligne de vue sur une case, mais pas sur une figurine. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai la ligne de vue sur cette case, mais pas pour la figurine qui est dedans. Exactement. Voilà. Dans les couverts, ouais. Tout à fait. Donc du coup, si j'avais par exemple une... Parce qu'il y a certaines compétences, il y a une zone d'effet. Oui. Donc là, si je cible une zone. Et là, du coup, il n'y aura pas de question de couvert ou pas. Oui. La figurine, elle sera touchée automatiquement. Donc, du coup, je peux projeter mon illusion. Donc, voilà. Et après, je vais faire une attaque. Et donc, lui, il a plus un en attaque lorsqu'il attaque un ennemi adjacent à son illusion. Donc là, je te fais 4 plus 2. Plus, je vais utiliser quand même une petite carte
hein, histoire de faire bonne figure. Voilà, une carte frappe orageuse, voilà, donc c'est bon, je peux l'utiliser puisque je suis en jaune. J'inflige 2 dégâts à l'ennemi ciblé adjacent, et si je m'étais déplacé de 4 cases ou plus, j'aurais répété l'effet sur une autre cible adjacente. Mais voilà, ça suffit. Donc du coup, je te fais 6 dégâts, plus la possibilité de piocher 2 cartes. Yes. Donc je vais utiliser celle-là. 6 plus 3, je te fais 9. Ah ouais, quand même. Et ouais. Ça pique. 9 dégâts. 9 dégâts. J'ai 1 en armure, donc j'en prends 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh ben, il fait mal. Hein. Ça, c'était mon attaque. Il pique. Donc, j'ai fait ma dévotion, mon attaque. Et il me reste quand même la possibilité de faire une escarmouche. Ce que je vais faire de suite. Ou alors, comme on a égalité pour l'instant. Ouais, donc je vais faire une escarmouche, tant qu'à faire. Un commandement, une escarmouche, un commandement, bonne question. Non ? Une escarmouche. Allez. Plus 2. Donc 2 dégâts. Moi ça. Parce que j'ai un en armure. Eh ! Yeah, il lui restait un point de vie, mais attends, il a mis quand même 10 dégâts en un tour. Non, il a fini ? Oui. Donc tu peux l'épuiser. Je vais jouer avec Gulbjarn. Ok. C'est parti. Donc il va jouer une carte pouvoir déjà. Il va appliquer donc terrain hostile, appliquer rapidité au lanceur, puis appliquer lenteur à un héros ennemi dans un rayon de 3 cases. Donc ça va être pour lui. Pour qui ? Pour ton lance. C'est lui qui tire à distance ? Oui. Et elle tire au corps à corps ? Non. À distance aussi. Ah ouais. C'est français ce que j'ai dit. Elle tire au corps. J'ai compris. Qui alors ? Non, bah je vais mettre sur elle. Ok. Donc elle va utiliser une faille temporelle. Donc j'applique rapidité au lanceur. Alors là, je vais vous montrer parce que c'est. C'est une histoire de pile. Là. Alors. C'est un peu comme Magic. Quand on déclare une action, voilà, il y a une pile d'événements qui se crée. Donc le joueur actif va déclarer une action et ensuite. Par exemple, là, il a déclaré qu'il allait utiliser une carte pouvoir. Ouais, par exemple, voilà, je la mets là. Qui ferait lenteur sur ma figurine et rapidité sur lui. Et moi, je vais rejouer une carte action par-dessus. Donc, ça va arriver par-dessus. Du moment qu'elle a les points de mana pour payer. Est-ce que tu en joues une autre ? Donc, moi, je les ai, les points de mana. Hein. Faille temporelle, ça fait quoi ? Ben, en fait, j'applique rapidité à mon lanceur et je peux lui retirer une condition. Du coup, j'enlève sa condition lenteur si. Ah ouais, bon, vas-y. Alors, du coup, c'est. Pas très logique parce que j'applique rapidité, mais ça annule. Mais toi, tu m'as mis lenteur, donc ça annule les deux, j'imagine. Donc, du coup, est-ce que tu as joué une ou pas ? Non. Bon, donc en fait, après, il faut les jouer dans l'ordre. Donc, moi, je vais d'abord jouer la mienne. Donc, je vais appliquer rapidité. Donc, hop, c'est ça. Non, pardon, je suis montée à mon côté. Le lièvre, hop, et je peux me retirer une condition. Bon, j'en ai pas, donc voilà. Je la laisse la carte ici pour pas oublier. Voilà. Et ensuite, tu vas jouer la tienne. Donc, moi, je m'applique rapidité et j'applique lenteur dans un. Donc, du coup, lenteur et rapidité ne peuvent pas se cumuler, ouais. Donc les deux s'annulent. Donc, j'ai utilisé moins un point de mana. Ouais, ça m'évite de perdre quand même. Bon, c'était surtout pour avoir rapidité. Ouais, mais moi, ça m'aurait donc, pas trop arrangé lenteur. Je vais faire un mouvement. Donc, 1, 2, 3, 4. Parce que rappelez-vous, rapidité, on peut se déplacer jusqu'à 5 cases. Ensuite, je vais faire. C'était quoi ? Je te coupe ta carte, tu peux me la lire exactement ? Appliquer rapidité au lanceur, puis appliquer lenteur à un héros ennemi dans un rayon de 3 cases. D'accord. Dans un rayon, c'est pas une ligne de vue. Ça, je précise, par exemple, si la carte disait appliquer tel truc sur le héros ciblé, il n'aurait pas pu. Ouais, j'aurais pas pu parce que j'avais la ligne blanche. Ciblé, il faut avoir la ligne. Là, ça parle bien d'un rayon. Il faut avoir la ligne de vue. Donc, c'est bon, c'est parfait, vas-y. Donc, c'est bon, je peux faire. Donc je vais faire une action, donc je fais une action de mouvement, je vais faire une action d'escarmouche. Sur qui ? Sur ton gars là. Mmh. Mais là de toute façon lui c'est une zone, c'est un dégât de zone, rage ursine. Donc en fait qui toucherait les 3 cases là. Mais c'est quand tu fais une escarmouche ? C'est en fait il est en métamorphe, donc c'est son. Il est en métamorphe. Oui. Parce que j'ai fait faire une dévotion. D'accord. Donc c'est marqué les actions d'escarmouche de
Gudjarn ne touche pas un héros choisi, d'accord, mais touche à la place tous les héros présents dans sa zone d'effet. D'accord. Donc ma zone d'effet, c'est trois cases qui sont là. Ouais. Bon, t'as juste deux héros qui sont là. Ok. À savoir que il gagne plus un dégât pour chaque allié métamorphe dans un rayon de trois cases, donc ici en escarmouche. Mm-hmm. Et lui, il donne à ses héros alliés métamorphes dans un rayon de 3 cases, plus un dégât d'escarmouche. Ok ? D'accord, donc 2 dégâts. J'ai 2 dégâts en escarmouche, plus... Allez, un plus 3, ce serait pas mal. Yeah, plus 3. Donc 5. Donc je mets 5 dégâts à tous les deux. 1, 2, 3, 4, 5. Et elle apprend que 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, parce qu'elle a 1 en armure. Donc ça, c'était ma deuxième action. Oui, t'as fait le déplacement, oui. L'escarmouche. Et maintenant, je vais faire une attaque. Ok. Mais t'as quand même pas mal de vie. Je m'acharne à t'attaquer, mais je sais pas si c'est... Sur qui ? Oh, sur lui. Vas-y. Je m'acharne à t'attaquer, mais je pense que c'était pas la bonne stratégie à avoir. Allez. Donc, il a 3, plus une carte. Donc, plus 1. 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Ok. Et il a fini donc son activation. À savoir que quand on est épuisé, donc les effets ou. C'est ça, hein, les effets ou les. Donc eux pour la condition métamorphe s'annulent. Oui. Et son effet aussi s'annule. Pareil. Et je crois que pour lui aussi, tu me l'as ciblé. J'étais déjà épuisé ? Oui. Oui, parce que c'était elle. Tu l'avais joué, c'est lequel ? Montre-moi le perso. C'est lui. Oui, tu l'avais joué avant moi. D'accord. Donc moi j'ai joué après toi. Okay, bah donc quand on prend une condition qu'on est épuisé, on garde la condition jusqu'à la prochaine, jusqu'au prochain épuisement en fait. Okay. Voilà. Si on prend la condition avant d'être épuisé pendant le tour, bah, dès qu'on est épuisé, on enlève la condition. Voilà. Allez. Donc du coup moi je vais activer Sakoshi. Je vais faire 1, 2, je vais faire ensuite une escarmouche sur ton héros, donc plus, enfin moins 1, donc ben, rien du tout, voilà, et après je vais faire une attaque, donc une escarmouche. Donc j'ai fait mon attaque, je me déplace pour finir l'escarmouche. Et je vais faire. Non, mais tu t'es déplacé de combien ? T'as fait un mouvement, une escarmouche, c'est ça ? Oui, j'ai fait. D'accord. Là j'étais là, j'ai fait. D'accord. Un, non, non, c'est deux, bon. Voilà, et après. Et après, est-ce que je vais faire. Et ben il te reste une attaque ou une. Ouais, non, sinon je vais faire une. Je vais faire un commandement, tiens. Ok. Voilà, donc ça c'est épuisé. Et c'est à moi. C'est à toi. Alors moi j'ai intérêt à m'acharner. Je vais juste utiliser une carte donc pour 2 points de pouvoir. Ça s'appelle Agripper. Placer le héros ciblé sur une case adjacente. Je peux te cibler là, c'est bon. Qui ça ? Tu veux cibler qui ? Lui. Oui. 3 cases ? Ouais, ouais. Sur une case adjacente au lanceur et appliquer lui lenteur. Donc tiens, tu peux lui mettre lenteur. Ok. Et je vais le mettre sur une case adjacente. Je vais le mettre. Si je le mets là. Et je sais pas si tu peux. T'as le droit, case bien. Adjacente. Ouais, bon, ouais, c'est quoi le pouvoir vas-y, exactement ? C'est placer le héros ciblé sur une case adjacente au lanceur et appliquer lui lenteur. D'accord. Ok. Ça, ça bloque que les lignes de vue. Ça empêche pas de se déplacer. Ça fait partie oui, des cases adjacentes. Oui, oui, tout à fait. Je vais faire une attaque sur un de tes sbires. Donc lui, il gagnait, vu qu'il est en métamorphe, il gagne plus une attaque et devient mêlée. Lorsque Korjov s'active, appliquez-lui rapidité. Donc il avait rapidité. Donc il va faire une attaque sur un de tes sbires. Donc du coup, ça lui fait 4, parce qu'il a plus 1. Mmh. Donc il est métamorphe, plus... 1, ça fait 5. Donc ton sbire il est mort. Celui-là, ouais. Ouais, ok.
Et ensuite, il me reste une action et je vais utiliser une action de commandement. Donc, je vais le mettre ici et il va être épuisé. Ok. Essaye de sauver un peu les mobs. Il est plus métamorphe. Et c'est à toi d'activer ta dernière figurine. Ça marche. Donc, elle va déjà elle va se déplacer. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Ensuite, je vais faire une dévotion. Donc, ça va me permettre de déplacer mon illusion. Et tu peux la déplacer ou la faire partir depuis toi. Ouais. Et là, je la déplace. Voilà. Et là, ça va piquer. Tu vas me tuer mes deux sbires. Je pense que je peux, oui. Parce que je vais faire une attaque. Donc, j'ai, par exemple, je vais cibler lui. Oui, attaque à distance. Elle est forte, elle, pour péter les sbires. Ouais, elle est pas mal, ouais. Donc, je fais 2. Donc, je vais peut-être. Hop là. 2 plus une carte. Donc, plus une carte plus 0. Ça suffit. Et du coup, j'inflige. Voilà. Résout une action d'attaque. J'inflige un dégât plus une carte à un sbire ennemi adjacent à son illusion. Hop. 2. Voilà. Ok. Et il te reste plus rien. Plus rien. L'activation. Voilà. Tac. Donc là, on va repasser à la face de sbire. La phase. Donc on va commencer ici. Donc ça, moi, j'ai un. Ah ouais, t'as quand même pas mal de sbires. On est. Oui, ah bah oui. 1, 2, 3. Plus ma carte de commandement. Qui est de 3. Donc je suis à 6. Ok, et moi j'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah oui, 5. Donc tu gagnes de 1. Donc tu me tues à un sbire. Donc je gagne de 1. La différence est de 1. Donc je tue un sbire. Tiens. Uh-huh. Et tu déplaces. Et je déplace de. De une case. Une case. Okay. Et ensuite, les sbires qui sont déjà sur place se rapprochent au plus près. Enfin, je te le mets là, mais tu peux le mettre où tu veux. Au milieu. Ensuite, au milieu, bah, ça va être toi, puisque tu as une figurine ici. Donc, tu peux le placer où tu veux. Ok, donc, place l'outsider. Bon, ouais, piocher une carte. Héros allié ciblé effectue une action de dévotion. Bon, ça me sert à rien. Et ensuite, tu peux piocher une carte pour voir. Oui, mais bon, de toute façon, on va pas faire de troisième tour. Ouais, on tour va pas faire d'autre tour là déjà. Ça sert à rien, mais bon, allez. Juste pour faire un truc, bah, pioche une carte. Allez, je pioche une carte. Voilà, pour gagner du temps. Je vais gagner celle-là. Voilà. Donc, bon, il faudra pas apprendre en termes d'attaque, il peut pas faire grand-chose puisque ouais, t'es tout seul. Je suis toute seule, voilà. Ensuite, ici, donc tu as 1, 2, 3. T'as fait un commandement ? Non. Enfin, avec lui, avec Camille, mais. Enfin, avec Sakushi, mais. Ah oui, mais c'est vrai, je l'ai sorti. Je l'ai sorti voilà, de la zone. Et moi, j'ai lui, donc j'ai 1 plus 3. Donc on compte les points de pouvoir. Donc ça me fait 4. Donc tu me tues un sbire. Donc je tue un sbire. Et tu déplaces le et je déplace de 1. Je vais mettre ton token par-dessus. Ici. Bon, t'es toujours en position de pouvoir. Mais bon, j'ai un peu sauvé les mobs pendant ce tour-là. Bon, après, je t'aurais pas pété 5 tours en un tour. Non. Mais, et après, on remet les deux sbires de chaque côté et on repart sur un autre tour. Pour un troisième tour. Voilà. Et là, on repart avec 3 manas et on va pouvoir. On pioche 2 cartes pouvoir, voilà, etc. Et là, on va pouvoir continuer, ainsi de suite. À savoir que, quand même, il faut essayer de relever les défis. Là, toi, t'es bien parti. Là, c'est ce que j'essayais de faire. Là, t'es bien parti. Bah, ouais. Et après, moi, c'était pareil. J'avais masque sacre, tué 3 ennemis. Donc, j'aurais pu déjà t'en tuer 2 au prochain tour, je pense. Ouais, au moins le premier, ça, c'est sûr. Oui. Après, le deuxième, ça dépendait. Voilà. Donc voilà, vous voyez, nous, on va arrêter là en 2 tours. Déjà, il se passe quand même pas mal de choses. Bah, je pense qu'on a vu l'ensemble des règles. On n'a pas parlé de désarmement. Donc, si vous gagnez désarmement... Oui, c'est vrai qu'il y a des cartes. Voilà, ça vous ça fait... Ça réduit les dégâts par 2. Ça les divise par 2, arrondi au supérieur. Et frénésie, ça vous permet de faire 2 fois l'action d'attaque dans le même tour. Sachant que quand normalement, il y a la restriction, on ne peut faire qu'une fois... On ne peut pas faire 2 fois la même compétence, la même action. Action. Là, ça vous permettait d'attaquer 2 fois dans le tour,
Et après, vous avez lenteur, mais vous l'avez vu déjà. Lenteur, du coup, ça réduit, au lieu de se déplacer de 3, se déplace de 1. Donc, juste pour une petite explication, si jamais j'avais pas passé son commandement, la différence de commandement, donc, s'il n'y a pas de sbire à tuer, elle les mettait directement dans ma tour. Donc, il y a 5 dégâts à mettre dans la tour. Voilà. Une fois que la tour est détruite, on peut venir attaquer le Nexus par ici et vice-versa par là. Voilà. Si bon, là, normalement, en détruisant sa tour, j'aurais gagné la partie. Ouais, t'aurais gagné un des défis. Si c'est pas un des défis. Petite précision sur des personnages comme ceux-ci qui sont des mages. Donc, montre-moi ta carte. Ah, c'est vrai que je montre le symbole mage. Oui. C'est vrai qu'on l'a fait ou pas? À chaque fois, j'ai oublié. Tu m'as pas attaqué? Tu m'as pas fait de dégâts? Enfin, si, avec elle, je crois. Non, avec elle, mais j'avais l'armure. Non, l'autre. Ah bon, alors j'ai oublié, tu vois, moi aussi. Donc, hop, pardon, je vous remonte. Là, voilà, ce petit symbole de feu, là, ça veut dire que c'est un mage. Et donc, du coup, quand il attaque, que ce soit avec ses compétences ou une carte de pouvoir ou une escarmouche ou n'importe quoi, quand il fait des dégâts, il ignore les armures des adversaires. Donc, on n'a pas le droit de réduire les dégâts avec une armure quand on est face à un mage. Que ce soit avec sa carte, que ce soit avec son pouvoir, que ce soit avec. Dans les héros, il y a des classes, il y a des tanks, il y a des assassins, il y a des mages, il y a des guerriers. Il y a moyen de comboter comme on veut. Tous les symboles ici en bas, on les voit. Voilà. Guerrier, mage, tireur d'élite, tank, support, assassin et spécialiste. Et on retrouve ces symboles sur les figurines. Voilà, ici. Voilà, ça vous permet de en fonction de vos goûts, ou voilà, de faire un petit combo. Et juste, je vous montre un dernier petit truc là pour faire vite et finir la vidéo. Là par exemple, vous avez la carte ultime de Korjov. Donc chaque personne, on voit, il y a le dessin du personnage et en principe c'est des cartes qui coûtent 3 mana et qui sont assez fortes. Donc voilà, pour vous montrer et à chaque fois, donc là pareil, c'est un de mes autres héros. Je les ai pas piochés, elles étaient dans ma pile, elles étaient toutes. Donc voilà pour la petite démonstration, j'espère que ça vous a bien plu. En tout cas, ouais, franchement, c'est un bon petit jeu, c'est assez cool. C'est assez sympa. Ça... Après, assez rapide. Bon, là, on a essayé de faire comme on peut parce que c'est vrai que ça demande quand même de la réflexion et de la stratégie. Moi, je vois que j'ai fait quand même pas mal d'erreurs dans ce que j'ai fait. Déjà, on a joué plus rapidement que les premières parties quand même, parce que c'est vrai que les premières parties, vous allez passer beaucoup de temps à réfléchir parce que vous ne connaissez pas les personnages, vous ne connaissez pas les cartes. Mais au bout d'un moment, les stratégies, elles se forgent et puis du coup, on arrive à faire des combos entre les personnages, à mieux les utiliser, etc. Et après, chaque faction a vraiment sa stratégie. Moi, je dirais que les verts, c'est pas mal des supports avec leurs piliers et tout, parce qu'il y en a une, j'ai pas eu le temps, mais j'ai pas pu le faire. Elle encaisse des dégâts à la place des sbires. S'il y a un pilier adjacent, elle peut se soigner. Lui, il va protéger tout ça. Les métamorphes, ils vont se combiner entre eux et se donner des bonus. Vous avez vu, j'ai gagné des plus 1 en attaque et tout ça. Les Kurumo, ça va être du instant pour attaquer. Je pense que eux, c'est un plus basé dans la destruction. Et les illusionnistes, ça fait pas mal aux sbires, je trouve, quand même. Ils ont des illusionnistes, ils ont des supports et des attaques. Des personnages qui font des dégâts, je pense qu'il y a, il y a moyen de faire des bons combos. Après, là, nous, on a suivi le livre des règles. Après, vous pouvez aussi très bien vous amuser, pourquoi pas, à créer vos teams. Au hasard. De chaque couleur. On pioche 4 héros au hasard dans une pile et hop, elles viennent que pour. À savoir qu'il y a quand même y a des extensions et tout qui arrivent. Oui, déjà dans la boîte de base, il y a combien de héros? Là, on les joue là. Donc c'est 8 là, ouais. Donc c'est pas mal, il y a moyen de faire des bons combos. Et après, il y a des extensions déjà qui sont, je sais pas si elles sont en préco ou déjà en vente, mais bon, il y a déjà de quoi faire avec d'autres héros. Ok. Donc voilà pour la petite démo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions. Voilà, on répondra avec peut-être si on a fait une erreur, on pense être pas trop mal, mais on peut faire des erreurs. On peut toujours se tromper. Pas de soucis, donc. On vous écoutera, enfin, on vous lira avec grand plaisir. Et puis, du coup, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir. Au revoir.